Le football est roi ce soir. C'est le calendrier des compétitions européennes qui veut ça. Trois clubs français, vous le savez sans doute, sont engagés dans les différentes compétitions. Et déjà, il y a un grand vainqueur. C'est Nantes qui a battu Dynamo de Moscou en URSS par 2-0 en Coupe des vainqueurs de Coupe. J'imagine la joie des Nantais. Et quant au troisième match, peut-être le plus haut en couleur, il se joue en ce moment. C'est en Coupe de l'UEFA. Saint-Etienne contre Mönchengladbach, je l'ai dit. Et Saint-Etienne a du plomb dans l'aile. Il était mené il y a un instant par 4-1. Balle récupérée par Nielsen et but du pied gauche. On entend encore aller les verts. Écoutez bien, ce sera la dernière fois pour ce soir. Trois minutes plus tard, à nouveau Ringels. Et encore sur le flanc gauche, crochet vers l'extérieur. Centre de Ringels, la défense des Verts est lobée et but de Nickel, un but impeccable, 2-0, c'est le silence. Ce jour-là, les Stéphanois sont laminés sur leur terrain 4-1, l'une des claques les plus retentissantes de leur histoire.